le monde dit le prince. Tout le monde dit le prince. Tout le monde dit le prince. Quand je dis Aladdin, tout le monde dit le prince. Tout le monde dit le prince. Tout le monde dit le prince. Bonjour à tous, on va déjà baisser la musique. J'espère que vous allez bien en ce premier jour de déconfinement officiel. Enfin, officiel, la seconde partie. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau carlog. Ça faisait longtemps. Franchement, ça faisait longtemps. Le dernier, c'était le 4. Donc, ça fait déjà 3 mois. 3 ou 4 mois, il me semble. Et puis, du coup, cette vidéo va se dérouler en 3 parties. Donc, cette partie-là. Ensuite, vous allez avoir une autre vidéo. Donc, cette vidéo, si vous, normalement, si vous la voyez, vous allez la voir samedi ou dimanche, si tout va bien. L'autre partie, la partie 2, vous allez la voir mercredi. Et la troisième partie, vous allez la voir samedi prochain. Donc, ça va se dérouler sur plusieurs jours de upload. Donc, là, on est à Montréal. Je voulais vraiment filmer cet endroit parce que. Je vais pas vous spoiler, je vais rien dire, je vais pas vous révéler, mais vous allez voir, c'est magnifique. Du coup, après, moi, il y a 3 parties. De toute façon, vous l'avez vu un peu sur la map, hein. Vous pouvez, des fois, vous pouvez par exemple taper sur Maps entre 2 parties, admettons, lorsque les 3 parties seront faites. Vous pouvez par exemple taper sur internet ce qu'il y a entre les deux, quoi, pour savoir la route que je fais. Ok, coucou en FM. Je vous expliquerai peut-être après pourquoi j'ai dit ça. J'ai dit coucou le Star FM. C'est surtout parce que je fais ce que je veux. Alors certains vont me dire pourquoi je suis ici. Alors que je suis à Revel, hein, normalement. De Revel en toute logique, que je suis censé prendre depuis la route de Sainte-Foy, pour ceux qui connaissent. Mais j'avais vraiment envie de passer par là parce que voilà, c'est. Si je vous dis. Voilà. Alors bon. Il y a peu de temps, donc là on va jusqu'à Fanjeaux. Hein. On va jusqu'à Fanjeaux ensemble, vous allez voir. Fanjeaux, je voulais aussi vous le raid parce que c'est un village fortifié. Donc on va voir ça. On va avoir une petite route défoncée. Et ça, c'est pour ça que je voulais vous filmer. Hein, parce que j'aime bien les routes défoncées. C'est bête, mais. Ok, fou le radar. De toute façon, si jamais on voit un radar, on lui fera coucou. Allez, commandant. D'ailleurs, cette vidéo, je vais essayer de bien vous la monter. Parce que j'ai eu 2-3 idées dernièrement pour les vidéos, hein, pour le montage. Sachant que là, je pense que vous voyez, là, j'ai enfin remis ma cam à l'heure. Parce que ma caméra était, je crois, le 1er janvier 2018 à 8h44. Bon, comme ça, je sais en compte de quelle année elle est, hein, c'est pas si mal. Voilà. Hein, attends, je vais juste changer de station. Ça passe pas trop bien, Skyrock. On va laisser ça. À un moment, il y a son mirepoix. D'ailleurs, pour tous qui vont me faire la blague, qu'on n'est pas en France, non, Montréal, c'est un petit village en France. Du coup, on est actuellement dans le département de l'Aude. Actuellement, on s'en va du coup vers la partie 2 et après, bon, la partie 3. Alors, beaucoup de gens vont me demander, ils vont me faire ouais, alors pourquoi tu mets pas toutes les parties d'un coup? Ouais, c'est très simple. Le trajet que j'ai l'intention de faire, il dure quasiment 3 heures. Encore là, j'ai pris un peu d'avance. Pourquoi je m'embêterais à vous mettre les 3 parties d'un coup? En fait, c'est vraiment parce que vous bloquez la boîte de vitesse, c'est vraiment pour vous laisser un peu respirer en quelque sorte, respirer l'air pur que vous allez peut-être sentir dans la partie 3. J'ai dit peut-être, hein, si j'ai pas de soucis, sachant que là du coup hier j'ai galéré, j'ai dû faire tout le montage, j'ai dû préparer le montage et tout. D'ailleurs, si vous voulez une petite vidéo genre préparation, lorsque je prépare des road trips et tout, dites-moi ça en commentaire et je vous préparerai ça avec plaisir. Donc voilà,
normalement on n'est pas censé avoir de bruit nuisible, les téléphones sont coupés. Ok, non, c'était juste le trafic pour monter en Andorre. Hein. Parce que je sais pas si vous l'avez vu aux infos, ben l'Andorre a réouvert ses frontières uniquement aux Français. Est-ce que je vais y aller? Bon, pas du tout. Je vous ai pas fait de pertus, je vais pas vous faire ça. Parce que j'ai pas envie. J'ai pas envie. Par contre, pour le pertus, je vous dis, pour tous ceux qui ont l'intention de voir le Carbloc 4, attention, tous les gens qui aiment pas trop quand ça tourne, ne regardez pas cette vidéo parce que sinon vous allez dégueuler devant votre écran. Oh là là, ça fait partie du best-of. Franchement, ce fou rire, je le garde. Sur les photos, sur les screens de Google Maps. Alors je me suis mis en satellite aussi pour vous faire voir un peu la topographie. Alors la topographie, peu de gens savent ce que ça veut dire. La topographie, c'est tout simplement avec les reliefs, tout simplement une étude des reliefs et tout. C'est vraiment pour vous faire voir des endroits en montagne qu'on risque de traverser. Normalement, je vais quand même vous le dire, hein, dans la partie 2, bon, dans la partie 2 et 3, on va en avoir, même la partie 3 va être full montagne, il me semble. On va traverser pas mal de villages et tout. Ok, laser de brouille. J'ai failli dire laser de brout. C'était quoi cette blague moisie? Non mais au laser de prout, à la fin ça va être quoi? Ça va être Covid-19 ou quoi? À la fin. C'est bon, y'a personne. Allez hop. Bon allez, cité de Fangeau. Après 800 mètres. C'est-à-dire qu'on est presque arrivé. Tournez à gauche, troisième sortie, descente 9. Bon, je vous ne ragerai plus lorsque mon GPS nous coupe la parole. Et vous voyez là, ah mince, on le voit plus, on le voit plus, on le voit plus. Ah mince, mais non, vous voyez ce qu'il y a là-haut, là, les petits villages, mais c'est là, franchement. C'est là-bas, par contre, là, il y a une petite route, je sais pas si vous l'avez vu. Vous m'avez compris. On va devoir gravir ça, bon, c'est pas si compliqué quand tu... C'est cool, ça a l'air dur quand tu le vois, mais c'est facile. Carcassonne. Normalement, moi j'étais censé venir de là. Carcassonne, ouais, j'étais censé venir. Mais j'avais vraiment envie de faire un gros tour. 1 km. Ok, nickel. Allez, let's go. Let's go. Alors, on va pas trop accélérer non plus hein, parce que. On va faire attention. D'ailleurs, je suis en train de passer tous ceux qui sont sur mon Discord, hein. D'ailleurs, tout le peu qui y sont, vous allez avoir la vidéo en avant-première, si vous êtes gentil, hein, parce que sinon, attention, hein. Allez, c'est cette montée que j'étais en train de... que je vous dis. Juste mettre un petit peu le câble. Côté droit, sinon ça me dérange. Allez, hop là, on est presque arrivé. Du coup, on va. Là, je vais couper. Du coup, ça va être une partie. Pourquoi il met 9 minutes à l'annonce? Parce qu'on n'est pas arrivé encore. Là, ça va être une partie de vidéo. Ensuite, je vais retourner 3 quarts d'heure après, à peu près. De toute façon, vous allez le voir. Hein, je serai avec les horaires. Normalement, ça va être 3 quarts d'heure, 1 heure plus tard. Tourner à un autre endroit, ensuite je recouperai pendant 3 quarts d'heure, 1 heure, et ensuite du coup je refilmerai. Regardez, on arrive à Fangeau. Allez, j'adore comme ça, les forêts comme ça, j'adore ça. Hop. Nous arrivons à Fangeau. On a dû se traverser
et je vous reprendrai sur 18 km. Dès qu'on a fini. On sera bon, ok, la caméra qui s'arrête, ok, donc là bon, moi je vous dis à bientôt, donc pour vous ça va être dans 3 jours, mais pour moi ça va être dans 1 heure, donc à dans quelques jours, ciao.